Je dois te dire un truc de sérieux. Je te crois pas. Vas-y. Non, c'est un prank. Ils m'ont contacté il y a 2 mois, c'est pour ça que j'allais sur Paname en même temps que mon nez je faisais casting. J'avais ta cape dans ce mais cas, cas, dans ma vie. Wesh. Alors la Patricia, bah, c'est une expérience, ouais, et alors? Hello tout le monde, j'ai des traces de lunettes, c'est horrible. Hold up. J'espère que vous allez bien, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver toute seule dans cette nouvelle vidéo pour pranker Yolande. On va pranker Yolande tous ensemble, elle est pas au courant, il y a seulement moi et vous qui sommes au courant et aujourd'hui on va vraiment la pranker. En fait il faut savoir qu'on est jumelles donc du coup si je lui sors un truc inhabituel elle va savoir que c'est une blague, donc elle va savoir que c'est un prank. Donc là on va vraiment y aller mollo mollo pour vraiment, bah pour pas qu'elle crame que c'est un prank tout simplement. Donc comme vous l'avez vu par rapport au titre, on va faire genre tous ensemble que demain j'ai mon train à Paris pour aller dans le sud de la France et pour tourner une série réalité, donc une télé-réalité, notamment Les Princes de l'amour qui va passer sur W9 l'année prochaine. Bref, j'ai vraiment inventé un gros scénario, c'est complètement faux et j'ai vraiment envie de voir un peu ses réactions, ce qu'elle va penser, ce qu'elle va dire, si elle sera en colère ou pas. Je pense qu'elle va être choquée. Faut savoir que j'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Camille, je la suis, je l'adore, elle est iconique et en fait elle a fait la même blague auprès de l'idéal, Idrissi, etc. et c'était trop drôle. Donc du coup ça m'a grave donné envie de faire le même prank et on va voir un petit peu comment elle va réagir. Du coup je vais préparer la caméra, je vais vraiment bien la cacher parce que maintenant Yolande elle connaît, tout est caché de par cœur. Donc on va changer d'emplacement, je pense que je vais mettre dans l'armoire et je vais entre-ouvrir un peu l'armoire, je vais vous montrer. Et voilà, écoutez, on va la pranker. Oh je suis vraiment rouge hein, je pense que genre en mode je vais le mettre là non, et devant je vais mettre des coussins ou quoi, enfin attendez je vais vous montrer. Genre en mode je vais mettre la caméra derrière et je vais l'entre-ouvrir, comme ça ça peut le faire non. Nickel, attendez j'ai bien refermé le truc. Ouais, bon j'espère qu'elle va pas le cramer, normalement non. Je vais mettre la lumière juste derrière pour que ce soit un peu plus éclairé. Et je vais lui dire que je suis une TikTok. Sinon elle va me dire pourquoi tu laisses ta lumière ouverte. Je sais pas, j'espère qu'elle va pas pouvoir ici. Hop, la lumière. Voilà. Je pense que là on est bon les gars. Bon, je sais pas quand est-ce qu'elle arrive, donc on verra bien, mais je pense qu'elle arrive d'ici 1 heure environ, le temps qu'elle fasse ses ongles. Et voilà, moi je vous dis à tout à l'heure. Les amis, je vous reprends 2 petites minutes pour vous montrer que je range ma valise. Elle est juste ici. Et je vais terminer de ranger ma valise. Comme ça au moins, bah après je vais venir vers elle avec ma valise et je vais dire voilà, là je prends le train, je dois aller à la gare et tout, bah pour partir dans le sud de la France. Et voilà, comme ça au moins, elle va vraiment y croire quand ma valise est faite. Je vais dépêcher mon sac, ma casquette. Et c'est bon les gars, je suis prête. Je vous remets à la place de tout à l'heure et on va attendre que Yolande arrive. Normalement elle devrait arriver d'ici peut-être 20 minutes, je sais pas. A tout à l'heure. Elle m'a envoyé un message, elle arrive. Donc du coup j'ai tout préparé et tout. Faut bien que je planque ça. Je mets bien la porte devant. Et voilà, je suis en CT. Et voilà. Je vais rentrer ce soir. C'est maman. Et toi, retourne la lumière. Attends, attends maman, attends. Attends. Tiens maman, tu me prends une chasse pour toi. Alors tu disais merci. Non, non, nous, on rentre demain. Demain soir. Ouais. Non, je suis sans bras. Ok. Oui. Je veux dire, ouais. À demain. Ok, donc en gros, maman, elle a dit que demain, on devait aller les voir. Ouais. Demain soir. Ouais. Des boulots, tout simplement. Mmh. Donc du coup, demain, je pense qu'on va prendre la à 7h. Alors ça, du coup, c'est à toi. Ouais. Oh, on va y aller. Ouais, dès que je pensais débarquer, ça, c'est moi, j'ai commandé un lit. Ouais. Et ben, c'est un de tout. Ouais. T'as vu, j'ai rangé tout son appart. Mmh. J'ai fait ma valise. Pourquoi? J'ai peur, il y a un peu de livre. Ça, il manque bien. Il manque, c'est quoi? Je suis sûre, c'est quoi? C'est la montre que j'avais reçue il y a pas longtemps que j'ai pas payé, j'y ai pensé ce matin. J'ai rêvé de toi. La réattribution. Ah! Coco, coco, tu vas rattraper ton point en janvier si tu ne reconnais pas d'infraction. Comme t'as vu, j'ai fait ma valise. Je vais bien. Moi, je dois te dire un truc de sérieux. C'est une idée. Mais vraiment sérieux, genre en mode tu t'y attends pas.
Et en fait, j'ai fait ma valise parce que j'ai rendez-vous. Enfin, rendez-vous, j'ai un train ce soir à 17h22 pour aller sur Paris et pour reprendre un autre train pour aller dans le sud de la France. Bon, normalement, on a peur, on va aller les voir demain. Oui, mais moi, je pourrais pas les voir parce que ce soir, j'ai un train à prendre pour aller dans le sud de la France et faire un tournage de télé-réalité sur WNF. Je te comprends. Si je te dis, c'est vrai. Quelle télé? Les Princes à l'amour. Non. Mais si. Je te crois pas. Ah si. Non, c'est un prank. Mais c'est pas un prank. Et t'es contacté quand? Ils m'ont contacté il y a 2 mois. C'est pour ça que j'allais sur Paname en même temps que mon nez, je faisais casting. Non. Alors on a toujours dit que tout ce qui était YouTube, ouais, les autres expériences, on allait toujours les faire à deux. Oui, mais là, il y a l'un des rigolotes, on a fait une expérience à deux. C'est bien. Moi là, j'ai demandé, j'ai dit, j'ai une soeur jumelle, est-ce qu'il y a moyen qu'elle puisse intégrer l'aventure? Je ne sais pas comment ça fonctionne, nanana. Comment elle t'a contacté? Ils m'ont contacté où? C'est une femme sur Instagram. Elle m'a contacté sur Instagram il y a environ 3 mois. Non. Si, si, elle m'a contacté sur Instagram. Et tu m'as pas dit, durant 3 mois, tu m'as pas dit. Non, tu m'as pas parlé, tu me dis tout. Parce qu'au début, je lui ai dit, est-ce que je peux ramener ma soeur jumelle ou est-ce qu'elle peut intégrer l'aventure? Ils ont directement dit non. Ils ont dit non, il n'y a pas moyen, je te contacte toi. Tu aurais dû m'en parler, je sais pas, toi. Mais non, je sais très bien que t'es dit, est-ce que tu le fais pas? Tu le fais pas? Mais non, non, après, on c'est toujours des bonnes expériences à prendre. On a fait une première émission, c'était super, c'était en jumelle, c'était une bonne expérience. Mais là, non, je me dis, c'est bizarre quand même. Oui, tu fais ce que tu veux, mais ça, y'a pas de soucis, tu peux aller, vas-y, y'a pas de soucis. Mais juste, pourquoi tu m'en as pas parlé pendant 3 mois? Parce que je savais très bien que t'allais dire, oh, mais t'es sérieuse, t'allais mettre des bâtons dans les roues comme d'habitude. Non, n'importe quoi, là tu. Ah si, c'est une grosse mytho là. Non, parce que regarde, en soi, je te laisse. Mais pourquoi tu fais pas de chichi? Mais là, je ne fais pas de chichi, frère. Tu t'entends plus ta cape dans ce dans ma vie. Dans ce cas, t'as qu'à simplement dire, très bien, trop bien, mais non, je suis en vas-y, allez, simplement. Oui, ça s'appelle super d'expérience, je pense que ça peut que faire pour toi. Donc c'est bien, tu es les princes de l'amour, frère. Ah, les princes de l'amour. Ah, elle va trouver l'amour. Mais non. Wesh. Alors, attends, c'est la ligne. Bah, c'est une expérience, ouais, et alors? Ah, mais tu sais que genre, toutes ces expériences, parce que nous, on a kiffé la première émission, tu sais que nous, on kiffe tout ça. Pourquoi pas à deux, frère? Parce que je lui ai demandé à ma femme, elle m'a dit, bah, nul. Bah, oui, c'est nul, mais je peux pas aller à l'encontre de ce qu'elle dit. Je t'avais jamais dit MeToo pendant 3 mois, enfin. J'ai pas MeToo, je te l'avais dit. Ouais, pourquoi là? Et en plus, tu l'as lancé demain, on doit aller voir papa et maman de ma soeur, elle vient m'appeler. J'avais dit oui. Oh, mais c'est bon, il veut pas non plus. Bah, après, un câble, ça fait pas. Tu rappelles maman et tu lui dis que bah demain tu viens, tu démerdes. Oh, tu sais où tu vas. Mais du coup, tu pars combien de temps? Bah, écoute, c'est un mois minimum. Ah, ouais, et pour une vidéo, on s'est un peu mis en avance. Tu vois, tu fais n'importe quoi. Tu peux accepter des trucs, y'a pas de soucis, bonne. Y'a pas de soucis. Mais au bout d'un moment, on fait pas les choses à moitié. Nous, on a deux chaînes à gérer. Hein. Attends, je vais appeler mon téléphone. Après, c'est bon. Enfin. Non, mais c'est très bien. Mais pour la chaîne, comment on va faire en fait? C'est juste ça. Bah, pour la chaîne, on s'avance dans les vidéos. Aujourd'hui, on est prêt. On filme des vidéos. On filme plein de vidéos. Bah, ouais. On les monte. Je pars ce soir. Hein. Et alors, je pars que ce soir à quelle heure? Quelle heure? Je pars dans 3 heures. Et t'as pris tes trains ou? Bah, oui, les trains, c'est eux qui prennent tout en charge. Ils ont tout pris en charge. À Marseille, ils ont tout pris en charge. À Marseille, je te jure, près de la plage, à Marseille, et je te jure. Je te crois pas. Si, à Marseille. Ok, t'as un contrat ou un truc comme un train? Ouais, bah sur mon boîte mail. Je te crois pas. Mythomane, je te crois pas. C'est un prank. Mythomane, t'es pas drôle. T'es pas drôle. Non, mais imagine un peu ce qui se passe de l'amour, frère. D'où tu vas trouver l'amour? Oh. Mytho, tu m'as dit que c'est pour les TikTok cette lampe. Bah oui, non mais voilà, et puis elle pète un câble, le câble aussi. Ouais, mais en même temps, n'importe quoi, quelle idée. Elle est barjo, elle me fait croire des trucs comme ça, elle. Bah oui, j'allais dire, et ma mère elle a appelé pour dire que demain soir on doit être chez eux, etc. Et elle, non. Bah moi, tu as cru. Mais tu as cru, donc mon prank il a fonctionné. Oui, j'ai cru, mais à la fin, tu rigoles. À la fin, tu rigoles. Ouais, à la fin, j'avoue, les amis, j'ai arrivé plus à Marseille. Là, elle m'a foutu une question piège. En mode, tu vas où? Je sais pas quoi dire. J'ai dit Marseille, je suis allée à Marseille pendant. Et je te connais pas. La prochaine fois, réfléchis plus à ton prank quand même pour répondre aux bonnes questions. Et la vérité, ça aurait été une bonne expérience en jumelle. Imagine avoir fait le même mec. Imaginez, mais là, ce serait la guerre. Mais là, non, c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, pourquoi tu m'en as pas parlé pendant 3 mois? Tu me dis tout, tu me dis tout. Même ça, tu m'en aurais parlé. Tu aurais dit, ouais, Yudo, j'ai eu une bonne expérience. Bon, en tout cas, c'était bien rigolo, moi, les nul, amis. Nul, nul, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Non, c'est nul. Non, elle était bien. Non, moi, je suis pas. Arrête, elle était bien. Non. Lona, elle fait n'importe quoi. Un max de likes, s'il vous plaît, si vous voulez que moi je prenne ma revanche. Donnez-moi toutes vos idées de prank en commentaire. Lona, tu ne vas pas regarder. En tout cas, donnez-moi toutes vos idées, un maximum de likes. Et si je vois vraiment que le compteur il a explosé par rapport aux autres vidéos, je vais prendre ma revanche parce que ça, c'était vraiment pas drôle. Le karma. Ouais, bon, on vous fait de gros bisous. On espère que cette vidéo vous aura plu. On fait des gros bisous. On se retrouve très vite. Ciao. Ciao.